Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gaulle 1 où dans ce tutoriel et vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel payant de tableur Microsoft Office Excel 2019, je vais vous montrer différentes manières pour pouvoir effacer ce qui se trouve dans une cellule, dans une feuille de calcul d'un classeur. Premièrement, nous allons voir la méthode avec le clavier, puis nous verrons les différentes méthodes avec les menus. Donc premièrement, comment effacer donc ce que vous voyez ici avec le clavier. Donc c'est très simple, vous vous mettez sur la cellule où il y a le texte tapé et vous appuyez sur la touche SUPR du clavier. Maintenant, nous allons annuler la dernière opération avec CTRL plus Z ou cette flèche de retour avec un appui avec le clic gauche de la souris. Nous retrouvons le texte et nous pouvons également, dans le menu Accueil et dans le ruban Cellules, appuyer sur Supprimer, puis supprimer les cellules, et là vous pouvez cliquer sur OK. Donc c'est un peu plus long, mais c'est une autre méthode. Une autre méthode par les menus est de passer toujours par le menu Accueil, mais cette fois-ci le ruban Édition, où vous irez donc sur Effacer, puis Effacer tout. Vous savez maintenant donc comment, dans le tableur Microsoft Office Excel 2019, effacer ce qu'il y a dans une cellule non seulement par le clavier, mais également par les menus. La formation est terminée, c'est à vous.